y est, on a récupéré notre pizza au cannabis. Ça goûte fort. Je sais que ça fait effet. Yo tout le monde, c'est Iti et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va tester une pizza au cannabis. Du coup, là, je vais commander les pizzas. Du coup, je vais appeler la pizzeria. Ça va être trop bizarre d'appeler une pizzeria pour commander une pizza avec du cannabis dedans, de la CBD. Du coup, c'est notre pizzeria habituelle. Ouais, c'est ça. Toutes les semaines, on mange là-bas et du coup, ça va être trop bizarre. Bonsoir, ce serait pour commander, s'il vous plaît, une pizza de la semaine, okay. En grande, ensuite une Gaia Poli, en grande taille aussi. Vous pouvez remplacer l'origan par le cannabis, s'il vous plaît. Ok, pas de soucis. Au revoir. Au revoir. Vous avez remarqué, il a dit « comme d'habitude ». Il sait que c'est nous, il sait qu'on est les habitués de là-bas. Et ça va être trop bizarre de manger la pizza avec Dieu. Cannabis. Ah, j'espère que ça va être bon. J'espère aussi que ça va être trop bon. Mon plat préféré, c'est genre les spaghettis bolognaise. Après, il y a d'autres plats de pâtes. Mais sinon, genre, en valeur sûre, il y a la pizza et surtout la pizza de chez Gaia Poli. Du coup, en attendant d'aller récupérer les pizzas, je vais vous expliquer pourquoi ils ont le droit de commercialiser des pizzas au cannabis. C'est tout simplement parce que leur variété de cannabis est pauvre en THC. Donc, on va pas être défoncé. Et riche en CBD qui vient d'être légalisé dans l'Union Européenne. Attention, je ne fais pas la promotion de la CBD, mais c'est juste que j'aime bien tester des nouveaux trucs, vous me connaissez maintenant. Et je me suis dit, pourquoi pas manger une pizza au cannabis, quoi. Ça arrive pas tous les jours et donc ça me tente carrément. Ok les gars, ça y est, on a récupéré notre pizza au cannabis. Et du coup en fait, quand j'ai passé l'appel, ils ont remplacé l'origan par du cannabis, quoi. Et du coup ça se voit parce que la pizza elle est pas vraie. Ça se sent surtout. Voilà. Sur le chemin du retour, j'avais peur qu'on nous arrête. Je me suis dit putain ça sent. Ouais, oh. Ça sent hyper fort. Il nous a fait sentir la boîte en plus. Ouais, une petite boîte et en fait il a parsemé sur la pizza et ensuite il a fait griller un tout petit peu. Au four quoi, il a cuit. Voilà. Bon attendez, je vais couper. Moi je suis team à la main. Donc c'est une pizza avec, c'est pas halal parce que c'est avec du jambon, du chorizo. Et du coup les gars, juste comme ça, wow, ça sent super bon. Oh là là. 1, 2, 3. En plus ça goûte fort. Hein. Oh my god. On sent bien la weed. Hein. Faut que je mâche les gars, il y a beaucoup de trucs à mâcher. Moi je crois que j'ai eu trop de jambon, du coup au début j'ai vraiment senti la weed. Après ça s'est atténué avec le sel du jambon parce que c'était trop présent. Mais je sais pas si c'est le sel du jambon, moi j'ai une texture genre cristaux. J'ai l'impression que c'est la fleur un peu qui croque sous la dent. Franchement c'est très appréciable. Ah, c'est bon. C'est très bon, c'est quelque chose que je conseille. Franchement, il faut au moins l'expérimenter une fois dans sa vie parce que c'est super bon. Ça apporte une touche aromatique, mais meilleure. Mais ça change de l'origan, quoi. Ouais, ça change. Moi, je préfère la weed à l'origan, par contre. J'aime vraiment bien. Bon, c'est pas quelque chose que je mangerais tout le temps sur mes pizzas, ça c'est sûr. Mais c'est super bon. Je vous filme la prochaine fois qu'on appelle. Franchement, je suis étonnée que une pizza ouais, bien, avec ouais. Du cannabis, ça soit super bon. Je pensais pas que ça allait être aussi bon que ça. Ouais. C'est une très bonne idée. En vrai, c'est pas l'élément central de la pizza, quoi. Non, c'est pas l'élément central, mais c'est l'élément qui différencie la pizza des autres, justement. Et ça choque au premier abord, mais après, c'est appréciable. Bon. Surtout quand tu sens, hein. Ouais. Tu sens la pizza, ce sont d'abord le jambon, la sauce tomate. Ouais. Là, ce sont d'abord la weed. Franchement, faut mais pas... Mais le goût, c'est le contraire. Le goût, c'est léger. Franchement, faut pas habiter loin de la pizza qui fait des pizzas à la weed parce que ça se sent. Hein. Si vous vous faites arrêter par les flics, c'est sûr, ils sentent. Je pense que c'est parce que c'est chauffé aussi. Après, c'est légal, mais bon. Moi, je pense qu'on pourrait la mettre un peu plus, tu vois, en valeur encore. Une huile, tu sais, tu décarboxyles ton cannabis, après, tu fais une petite huile infusée. On sent les conditions, là. Ils sont bonnes, les frites. Du coup, je vais comparer avec une pizza normale. Pour vraiment faire la différence parce que dans cette pizza il y a de l'origan. Franchement on aurait dû mettre du cannabis sur les deux. Moi je t'ai demandé hein. Je t'ai demandé sur laquelle tu veux mettre. Du coup, c'est 3€ le supplément. C'est comme si t'achetais un pochon chez les gitans. Non je sais pas, j'ai jamais fait. Elle est bonne quand même, mais c'est vrai que ça choque. Ça choque, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de manger de la pizza au cannabis quoi. Même pas du cannabis tout court quoi. En
vrai, c'est bon. Je trouve ça. J'adore la pizza. Et en fait, j'ai vu hier soir sur la page Facebook qui faisait une pizza au cannabis, en fait, qui remplaçait l'origan au cannabis. Et ce que j'ai dit à Manu, c'est direct. Faut qu'on aille chercher. C'est obligé. Faut que je partage ça avec vous, les gars. Faut que vous sachiez que ça existe des pizzas au cannabis. Mais même en France. C'est vrai, on aurait peut-être dû préciser qu'on est en France, déjà. Oui, en fait, on est en France. Les gars, au cas où vous savez pas, au cas où vous me connaissez pas. Mais bon, ça se voit, non, que je suis en France. Avec toutes mes vidéos et mes vlogs. Disponibles juste ici. Abonnez-vous, mettez la cloche. Du coup, les gars, les gens, ils sont trop gentils, ils nous ont offert du prosecco parce qu'en fait, ils nous avaient demandé de la vanille de Tahiti et ils nous ont offert du prosecco. Ouais, il est sympa. Ouais, il est super sympa. Allez, on fait péter le prosecco. Ouais, c'est Noël avant l'heure. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. A Happy New Year. Putain, c'est moi qui lançais le truc et j'ai tout fait foirer. T'as dit quoi? And a wonderful day. And a wonderful world. C'est quoi pourquoi? Un petit coup de prosecco. Hop, alors c'est un prosecco italien. Ouais, ça n'est pas comme ça, tu enlèves toute la mousse. C'est comme du champagne, mais c'est pas du champagne. Oh, ils sont bons. Ils sont super, comment? Sec. Enfin, ils sent le fruit, il est fruité. Ça sent le raisin. J'ai du mal avec eux. Je peux te dire ça sent le cannabis. Mais... Ouais, c'est super bon. J'adore le prosecco. Franchement, c'est l'un de mes alcools préférés. C'est un prosecco extra sec. C'est super bon. Allez, c'est Manon qui va goûter maintenant. Il est bon. Hein? C'est vrai qu'on sent le fait qu'il est extra sec parce que ça pique beaucoup. Il est monté. Du coup, t'as aimé ou pas? Excellent. Le gars, il est trop pressé. Autant ça, que ça, que ça, c'était excellent. Du coup, c'est sur la dégustation du prosecco qu'on va se laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et en attendant, on vous fait des bisous. Cette vidéo devait être finie, mais finalement, elle n'est pas finie. Je vous ai fait un retour sur après consommation de la pizza. Et vous voyez qu'en fait, quand même, on a des effets, quoi. Les gars, ça fait 15 minutes qu'on vient de manger la pizza au cannabis et je crois que c'est en train de monter à la tête. Voilà, ouais. Je sais pas si c'est un effet placebo, mais quand même. Hein. Ouais, moi là, ça commence à chauffer ma tête. Du coup, ça doit nous monter à la tête. Je pensais pas que ça allait autant nous faire effet. Mais après, on a bu de l'alcool aussi avec. Ouais, mais c'est pas fort le prosecco. Moi, je suis en train d'être détendu. Ouais, moi je sais pas, je suis en train d'être surexcitée. Oh, lui il est pété, il en peut plus. Il m'a raconté une histoire, il a même pas terminé, il était déjà en train de rigoler. Je sais plus. Quoi? Je sais que ça fait effet, oui. Mais normalement, c'est pas censé être stone, comme on dit à Tahiti. Je sais pas comment dire. Mais bon, ça se dit stone. Ouais, stone, on est juste un peu euphorique, un peu seulement.